Bon, les crocs, on va y aller. Vous êtes prêts? Concentrez-vous. Hein. Soyez avec moi, soyez attentifs. Soyez à fond sur le live parce que là, je vais avoir besoin d'aide, je vous le dis. Nouveau jeu. Let's go. Le jeu dure environ une heure. Hein. Si on est intelligent, il dure une heure. Si on est totalement débile, il dure deux heures et plus. Let's go, nouveau jeu. Et c'est un jeu français. Regardez, les textes, et ça c'est génial, les textes, les crocs, sont en français dans le jeu. Et moi j'applaudis parce que c'est tellement rare. Je suis obligé d'applaudir. Donc, ça va être un jeu à énigmes, mais aussi horreur. C'est-à-dire que normalement, il y aura des jumpscares, il y aura des trucs flippants. Donc on verra, on va suivre le flow du jeu. Et on verra où ça nous mène, ok? C'est parti. Alors, le jeu sera automatiquement sauvegardé après avoir passé le niveau. D'accord. Eh ben, let's go. Premier niveau. Là, ça me fait penser au jeu d'hier dans l'hôtel avec les cadres. Il y a un truc, non? C'est un jeu à backseat. Oui, ça peut être un jeu à backseat si vous connaissez le jeu. Ok, alors. Jouons à un jeu. Je vous l'avais dit, les crocs, hein. Je vous l'avais dit, c'est le jeu qui va jouer avec nous. Hein. Alors, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue au jeu ou pas? Le jeu qui commence trop fort, quoi. Est-ce qu'on joue ou pas? Non. Moi, j'ai envie de mettre non pour voir ce qui se passe. Si on met non, ça fait quoi, les crocs? Je vais mettre... Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je vais mettre non pour voir ce qui... Oh putain, il y a un chevalier là. Il y a un chevalier. Je vais mettre non juste pour voir ce qui se passe, les crocs. Qu'est-ce qui se passe si je dis non? J'ai pas envie de jouer. Fin du jeu. Ouais, je crois qu'il y aura les crédits ou un truc comme ça. Désolé, vous n'avez pas le choix. Ok. Bon. Eh ben, on aura essayé, les crocs, on aura essayé. Je sens que ça va être très drôle, ce jeu. Hein. Jouons à un jeu. Ah, je peux plus aller à gauche! Ah, ils m'ont barré le chemin! Je peux que dire oui, maintenant. Attendez. Alors. Très bien, commençons par quelque chose de simple. Ah, j'aime bien quand c'est simple, moi. Oh! Un puzzle. Ok, donc premier niveau. Alors c'est censé être simple, hein, les crocs. On n'est pas censé se tromper. Hein. 1 plus 8 fois 7 moins 9. Oh non, j'ai toujours été nul en maths. Les crocs, j'ai toujours été nul en maths. Alors c'est soit 48, soit 54. Attendez. Je crois que la multiplication vient en premier dans le schéma, non? Attends. 8 x 7, ça fait combien? 8 x 7, putain, mais c'est dur, 8 x 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 55. 55 moins 9, 46, plus 1, 47. Bon, y'en a aucun des deux. C'est soit 48, soit 54, les causes. Oh là là, les maths, c'est un enfer. Et c'était censé être simple, c'est ça? Le jeu nous a dit que c'était censé être simple? Et sous ma gueule. 56. Ah non, ça fait pas 56, les causes. On a soit 48, soit 54. Vous dites quoi? 48? 1 plus 8, 9, 9 x 7. 7 moins 9. Attendez, c'est pas possible, on n'est pas aussi con que ça. 8 x 7, 56. Non, mais je crois que c'est le 7 moins 9 moi, qui compte en premier. Je crois que la soustraction compte en premier dans le calcul. Donc 7 moins 9, ça fait moins 2. Plus 1 moins 1. Ah, ça fait 55. Les causes. 48, 50. Vous dites quoi? 48 ou 54? Ou alors 1 plus 8, ça fait 9. 9 x 7. J'ai invoqué le dieu calculette. Attendez, c'est la première énigme du jeu. Et on est déjà en mode. C'est quoi cette dinguerie, les crocs? Bon, 48, allez, on part pour 48, je vous crois. 48. Non mais c'est grave, je me tape la honte là. Je me tape la honte devant, on est combien là? 45? Devant 45 personnes? C'était ça ou pas? Oui! Yes!
c'était bien 48. Ah, et du coup, chaque niveau dans le jeu, ça, ça forme une pièce de puzzle. Oula, ça veut dire qu'il y a au moins. Oula, il y a au moins 30 niveaux. Ok, ça me va. Bon travail, maintenant essayez quelque chose de différent. Alors, ça sera différent, très bien. J'espère que ça sera plus un calcul. Parce que là, j'en peux déjà plus, en fait. Un téléphone. Les roses, soyez attentifs, je vous en supplie. Faut être attentif à tout dans ce jeu. Sinon on perd. Alors là, il y a un téléphone. J'appuie. Ça sonne. C'est quoi ça? Pourquoi ça s'est pété? Les crosses, la statue, elle s'est pétée. Combien de fois le téléphone a-t-il sonné? Oh non. Non, ils nous ont pas fait ça. Non, ils nous ont pas fait ça. Les crosses, j'en ai aucune idée. La statue, elle s'est pétée. Du coup, j'ai eu peur. J'ai pas compté les sonneries. Oh non. 6 ou 7? Oh là là là. En plus, les réponses, elles sont tellement... quasi pareil. Oh! Salut Rezalg! Yo Max! Bon, pour ceux qui arrivent, on joue à un jeu qui se joue de nous. C'est-à-dire qu'il faut être plus intelligent que lui. Et là, j'en ai aucune idée. Je sais pas combien de fois il a sonné. 7 fois? 7? J'allais dire 3 ou 4. Moi aussi, franchement, j'aurais dit 3 ou 4. J'ai pas compté, moi non plus j'ai pas compté. 6 je dirais. Moi je dirais 7 quand même. Je vais partir sur 7, j'en ai aucune idée. Par contre cette statue qui s'est pétée là. Bon, on va partir sur 7, j'espère qu'on a bon. D'ailleurs je sais même pas ce qui se passe si on perd. On revient à 0. Ah, mauvaise réponse. Putain, c'était 6. Ok, et du coup, on revient à la deuxième. Ok, ok. Donc, quand on perd, en fait, on est obligé d'en refaire une. Ah, c'était 6, du coup. On n'a pas été assez attentifs, les cousins. Alors, on va recommencer ou pas? 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah là pour le coup c'est 7 hein. Les creux, j'en ai compté 7 là hein. Ouais, là il y en a 7 pour le coup. Logiquement on a bon. Ouais, c'est bon, on a réussi. Vous vous en sortez très bien jusqu'à présent. Ouais, très bien. J'aurais pas dit très bien. J'aurais dit, je m'en sors, mais pas très bien. Ok, troisième level, les crozes. Vous voyez que c'est le genre de jeu que j'adore. Hein. J'aime trop déjà, là. Alors, attention. Un tableau. Un tableau de Louis XVI. Attention, faut vraiment faire gaffe à tout, hein. Oh putain, non, va falloir retenir. Une dame avec son chien blanc. Une dame qui joue de la flûte. Un monsieur barbu. Napoléon. Oh putain. Oh putain. Attends, c'est que ça ferait peur ces conneries. Que tient la personne dans le premier tableau? Que tient la personne? Que tient la personne sur le premier tableau? Oh non, je l'ai pas. Attends, cimetière ou poignardage épée? Pour moi, c'était une épée. Par contre, la dernière image, là, elle était glauque. Hein. Pour moi, c'était une épée, les crozes. Je sais pas ce que c'est, cimetière. Poignardage épée. Pour moi, c'est une épée. Je crois qu'il tenait une épée dans la main.
Et non. Putain. Votre réponse est proche, mais elle n'est pas du tout à fait exacte. Merde! C'était pas ça. Je pensais qu'il avait une épée. Attendez, on va regarder. C'était quoi? Ah non, putain, c'était... Bah c'est un rouleau qu'il a dans... C'est quoi là? Bah si, c'est une épée, non? Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce qu'il tient dans la main. On dirait une espèce d'épée. Et dans l'autre, c'est un rouleau, ok? Ah putain, mais ça me fait flipper ça. Que tient la personne dans le premier tableau? Bah du coup, c'est ça? Un cimetière, je sais même pas ce que c'est. Bon, on va dire que c'est ça. Un cimetière, c'est une épée arabe. Ah bah voilà, c'est ça, épée arabe courbe. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok, c'est bon. D'autres défis sont à venir. Allez, let's go. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'horreur dans ce jeu, non? Alors, la flèche me dit d'aller à droite. Il y a un point d'interrogation ici. Oh. Aïe, 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 mais... Mais ils sont sérieux, là? Les gars, why, hello, calmez-vous. And welcome. Merci Rezalk pour ton prime. Merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Merci pour le soutien, bro. Ok, il y a eu un jumpscare à la fenêtre. C'est tout? Ah. Quel genre de chemise le zombie porte-t-il? Mais le jeu est génial, hein. Les crosses, je vous le dis maintenant, le mec qui a fait ce jeu est un génie. Le mec qui a fait ce jeu est un génie. Il est trop fort. Jamais j'ai vu. Vous l'avez vu ou pas, la chemise du zombie? Rayé ou plaid? Je crois que je l'ai vu rayé. Oh, c'est allé trop vite, j'ai pas vu le... J'ai vu que c'était un zombie, mais j'ai pas vu comment il était habillé. Oh putain. Regardez de plus près. Ah, c'était pas ça. Putain, ça veut dire qu'on va se le retaper. Ah, on va se le retaper, les crozes. Bon, on va essayer d'être attentif. Bah, c'est carreau? Non? Rayé? C'est pas rayé? Plaid. Je sais même pas si ça veut dire plaid. Je crois que la traduction du jeu, elle est un peu foireuse, malheureusement. Mais on part sur plaid, du coup. Lion, t'avais bien intuité. Ok, let's go. Votre vue est très bonne. Oula. What? C'est Halloween? C'est déjà Halloween? Nécrose. Me dis pas qu'il faut compter les têtes, hein, sinon je pète un câble. Hein. Eh, faut pas compter les têtes, hein, je vous le dis. Hein. Flemme. Combien de citrouilles ici? Mais c'est des malades, mais genre je vais tout compter, gros, il y en a un milliard. Et c'est soit 99, soit 100, ils le font exprès. Les creuses, la marge entre les deux, 99 ou 100, faut vraiment tout compter là? Non. Eh, vous savez quoi? Je vais y aller au pif, hein. Je vais dire 99. Non. Oh non, flemme, là. Eh, c'est bon. On ira plus vite en se trompant. Tu vois ce que je veux dire? On va aller plus vite en se trompant. Eh, c'est bon. Je veux dire la vraie citrouille. Hein? Je veux dire la vraie citrouille. Non, je compte pas, c'est mort. Bah allez, 100 du coup. Quoi? Vous avez l'air confus, laissez-moi vous donner un indice. Attends, c'était ni 99 ni 100? Ouais, je veux un indice. Non mais le jeu, il est trop bien. Il est trop fort, le jeu.
Oh là, attends, elle bouge. Attends, pourquoi elle bouge, elle? Il y a une citrouille qui bouge. Mais quoi? Vous avez l'air confus. Bah attends, mais c'est pas possible. Va derrière sinon. Comment ça derrière? Putain, faut pas les compter quand même. Moi j'ai la flemme. Oh, mais c'est pas ça. Laissez-moi vous donner un indice. Mais il est où l'indice? Donne-moi l'indice. Attendez, c'est une dinguerie. Faut vraiment tout compter. Oh, mais il y en a plus que ça en plus. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va les compter, les crocs, hein. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Je suis perdu. Oh putain. Ah! Attends, il y a une flèche rouge là. Bon bah zéro du coup, y'en a pas là. Bah zéro. Zéro, la réponse c'est zéro. Y'a pas de citrouille. Bah il fait peur ce con de jeu là. Ah c'est bon, on est passé au sixième. Ok, en fait y avait une citrouille à trouver. Et c'était encore une fois un jumpscare. Joyeuse journée de la citrouille. Si tu veux. Une pipe. Alors attention. Fumez-vous? Oui ou non? Bah j'ai envie de dire oui les crocs. Hein. Enfin on est plus en train de cramer la pipe que la fumée mais... Les crocs sont en train de fumer là non? Je vais mettre oui. Ça me paraît logique. Pour moi, je suis en train de fumer là. C'est quoi ça? Hey! C'était quoi? Il est interdit de fumer ici. Attendez, il y avait un homme avec une citrouille sur la tête. Il est interdit de fumer ici. Ok, bah du coup, je fume pas. Bah non, du coup, je fume pas. Ce jeu me fait rire, les crocs, vraiment. Je pense que vous avez besoin d'aide. Bah, un peu. Prends pas la pipe. Ah oui, peut-être qu'il faut pas la prendre. Attends, c'est intelligent ça. Oh, c'est quoi ça? Oula. Attends, il y a une flèche sur lui, pourquoi? Faut peut-être lui donner, non? Attends. Tiens. Oh putain. On a explosé la... ok, bah du coup, non, je ne fume pas. Ok, on a donné la pipe au... au mec. Il est trop bien le jeu, les crocs. Vous kiffez ou pas, en vrai? Gardez l'air frais.
Ça vous plaît ou pas, les roses, dans le chat? En vrai, je vous avoue, je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça. Et je dois dire que j'aime beaucoup, ça change. Oi 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 oi. On s'est fait piétiner par une boule. Geste trop lent. Oh là, attendez, va falloir esquiver la boule. Il est génial le jeu, de ouf, je le surkiffe. C'est marrant. Oui. Je vais me faire des crêpes. Je vous emmène avec moi. Très bien, Brabit. Tu peux m'en faire une. Crêpe. Ça sera crêpe. Bah, Nutella, classique. Hein. Crêpe Nutella. On va pas faire les fines bouches. Il est bien juste, Toshi prend vraiment le temps de regarder partout ce qu'il faut faire. Bah oui, je... Oui, oui. Lily bof. Oh non, Lily. Lily, elle est pas fan du jeu. Tu peux courir? Non, je peux pas courir. Je peux ni sauter, ni m'accroupir, je peux juste marcher. Est-ce qu'on peut se coller contre un mur? On va checker. Ok. Alors attention à la bouboule. Il y a forcément un truc à faire. Oh. On a réussi. Ok. Fallait juste être rapide. Wow 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 wow. Ah. Mais c'est Resident Evil le truc. Attendez, c'est peut-être pas fini. Oh là là, mais il y a plein de pièges. Attention. Combien de lasers? Mais c'est impossible! Combien de lasers? 6 ou 7? Non, me dites pas que vous avez compté les lasers. Non, mais pour moi, il y en a 7. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de lasers, les crozes. Je dirais 7. J'ai pas compté, j'ai vu la mort arriver. Pareil. Je vais dire 7 dans le doute. Non, je crois pas que c'était 7. Ah ! Merde ! Mais ouais, mais j'étais en train de compter. Je peux pas survivre et compter en même temps, les gars, c'est trop, hein. Attends, combien il y a de lasers, les crozes? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Il y en a 7! Mais ouais, mais putain. Faut pas que je m'approche trop, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Oh putain. Il y en a 7, il y en a 7. Il y en a 7, c'est sûr. J'en ai compté 7, là. 7. Mais le jeu me vanne d'une force. C'est vénère. Hein. Il y en a 7. Ouais, c'est bon, c'est ça. Courir vite pour progresser. Je peux pas courir, frérot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un appareil photo. Ah. Je dois prendre en photo les tableaux. Ok. Attends, à tous les coups. Oula, attends. Wow wow. Wow putain. Eh, il a failli m'abattre, lui. Quelle est la couleur du dernier éclair? Hein? Quel éclair? De quel éclair il me parle, lui? Bah, bleu. Cyan. Quoi? Il y avait un éclair? Les crocs, j'ai même pas vu d'éclair. J'ai même pas vu d'éclair. De quoi il parle? Le flash évite l'attaque, pas la réponse. Éclair du flash. Il y avait
avait un éclair dans le flash. Putain, j'ai même pas vu. Attendez là. Attendez. Oula. Attaque pas, hein. Ah, ok, c'est. Ah, c'est Sian. Putain, c'était Sian. Ok, en fait, faut esquiver l'attaque du soldat. Je l'avais pas vu. Non, mais là, il va me baiser, là. Il va me niquer, là, non? Il va me niquer, c'est sûr. Attendez. Ok, bah là c'est Sian pour le coup. Hein. C'est Sian, 100%. C'était pas bleu. Hein. J'ai jamais mangé de crêpes Nutella banane. Ça va bien ensemble le Nutella et la banane? Ok, c'est bon. Regardez, à la fin ça va former un truc, on sait pas encore quoi. Mais à la fin, il y aura une image. Belle photographie, merci beaucoup. C'est la base banane Nutella. J'ai jamais goûté banane Nutella. Ça va super bien ensemble, Toshi. Ah, ok. J'ai jamais... Oh, c'est... Vous l'avez vu ? Dites-moi que vous l'avez vu, les Crozes. Dites-moi que je suis pas le seul. Vous l'avez vu, hein? Banane choco, c'est comme poire chocolat. À poire chocolat, je crois que j'ai déjà goûté. Mais banane Nutella, jamais, les Crozes. Bah, faudrait que je teste. Et ça se met dans des crêpes, ça? Genre, tu peux faire une crêpe, mettre le Nutella et des morceaux de banane dedans. Ça passe? Il a fait 4 pas. Oui, hey, tu sais que Aline, j'ai compté. Hein. La petite meuf, là, elle a fait 4 pas. Donc, si c'est ça la question, on connaît la réponse. Quelle est la couleur de ses yeux? Non, mais là, c'est du troll. Je crois que le jeu, il nous troll. Parce qu'on n'a pas vu les yeux. C'est du troll. Banane Nutella, c'est super bon. Mais il faut que je goûte, hein. Tu coupes les bananes en petites rondelles. D'abord, tu tartines le Nutella. Puis tu mets les rondelles de bananes, tu replies et tu mets la chantilly. Ah ouais, avec la chantilly en plus. Oh la vache. C'est la crêpe la plus calorique au monde. Ah, quoique, il y a un fruit dedans. Bon, par contre, les couleurs de ses yeux, bah écoutez, je vais dire marron, hein, dans le doute. Je crois que le jeu commence à nous troller. Non. On n'a pas vu ses yeux. Regardez de plus près cette fois-ci. J'ai pas envie d'aller plus près, putain, elle va me sauter à la gueule. Oh. Ah! Ok, c'est rouge! On a la couleur de ses yeux, c'est bon. Rouge. Red, 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 red. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu de très près, là. Saloperie, va. Saleté. Ah, c'est bon, suivant. C'est bon contre la dépression, les crêpes, c'est vrai. Bon, les Crozes, attention. Hein. Faut-il ajouter de l'ananas? La pizza doit-elle être agrémentée d'ananas? Alors là, non. Non, là, les Crozes, attention. Et c'est marrant parce qu'on parlait de bouffe dans le chat et on a une question de bouffe. Je crois que le jeu, il nous espionne. Non, non, ceux qui aiment la pizza avec de l'ananas dessus, vous êtes des malades. Faut vous enfermer, les Crozes. Hein. Vous êtes des psychopathes. Qui mange des pizzas avec des putains de bouts d'ananas dessus? Un grand oui. Quoi? Non, 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 non. Les Crozes. Pas d'ananas sur des pizzas. Je suis désolé, c'est pas possible. Donc moi, je dis non.
Et là, il y a un mec avec une tête d'ananas qui va arriver nous sauter à la gueule. Non, non, non. Ah ! Courez ! Je peux pas courir ! Ah ! Ah ! On aurait dû aimer les ananas ! Non ! Ok, j'aime les ananas. Non, mais en fait, j'aime bien les croûtes. C'était du mytho, j'adore ça. Moi, les pizzas avec des... avec des ananas dessus, c'est vraiment un kiff absolu. J'adore. Donc, bien sûr. Bien sûr qu'il faut en mettre. Putain ! Mais merde ! Bon, ne mangez pas de pizza ! Ne mangez pas de pizza ! C'est de la merde. Quel enfer! Oh, la lumière, elle a changé, non? Il n'y aura jamais la paix sur cette question. C'est vrai, putain de ouf. C'est comme comment chocolatine et pain au chocolat. Il y aura toujours une guerre entre les deux. Non, par contre, le gars qui a fait ce jeu, j'ai envie de lui serrer la main. Hein. Vraiment. Ah, peut-être un peu moins maintenant. J'ai pas de lampe, les gars? Allô? Non. Non mais c'est trop bien, mais c'est le meilleur jeu de l'année ou quoi là? Avez-vous peur de l'obscurité? Oui ou non? Alors les crozes. Alors dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont peur du noir dans la vraie vie? Je vais faire en fonction des réponses du chat. Alors moi personnellement, non. Moi je trouve que l'obscurité est un réconfort. J'ai jamais eu peur du noir. Et vous, les creuses? Le dev est fou, mais il est trop fort, le dev. Moi, j'adore. Hein. Chocolat nana. Chocolat nana, qu'il a dit. Après un film d'horreur, je suis pas rassuré. Ouais, c'est vrai qu'après un film d'horreur, éteindre la lumière, c'est un peu plus compliqué. Je suis assez d'accord avec vous. Non, mais dans le jeu, là, oui. Ouais, c'est vrai que dans un jeu d'horreur, quand la lumière est coupée... Ouais, je vais dire oui, parce que ouais, c'est vrai que dans les jeux d'horreur, dès qu'il fait noir, c'est la panique. Hein. Je vais dire oui, les creuses. Attention, hein. Il y a la porte qui s'est ouverte. S'il vous plaît, les gars. Ça bouge là. Attendez, il y a une main là. Les crozes, il y a une ombre de main là. Non. Vous êtes prêts? C'est quoi ce délire? Les crozes, il y a un cerf. Il y a un homme. Il y a un homme cerf. Non, 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 bah non, 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 je vais aller de l'autre côté parce que... Oh putain. Mais attendez, non mais je crois vraiment qu'on est sur un jeu de malade là. Il faut que ce mec là refasse des autres jeux. Hein. En fait, il arrive à mélanger l'humour et l'horreur, mais d'une façon tellement subtile. Il est trop fort. Un Wendigo. Il dit quoi du coup? L'alimentation électrique de l'éclairage est hors service pendant un certain temps. Non! Non! Oh non, il n'y a plus de lumière! Oh non! Oh non! Oh les bâtards! Et j'ai pas de lampe torche. Hein. Aïe 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 aïe, attention. Maintenant, quelqu'un derrière vous. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Ça, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver dans un horror game. Quand on vous dit, retournez-vous.
Vous me connaissez les Crozes-moi. Là, vraiment, là, je me chie dessus. Hein. Te retourne pas, 3, 2, 1. Qu'est-ce que je fais? Après, on peut continuer, hein. On peut aller à gauche ou à droite. Ou alors, je me retourne. Ça peut être un piège, hein. Tourne-toi. Te retourne pas. Va d'un côté. Je me retourne pas, je me retourne pas. Il y a un truc derrière moi, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Reculons, on l'a fait à la Michael Jackson? Sa bouche est-elle ouverte? Mais je vais t'enculer, toi. J'ai même pas vu de bouche, j'ai rien vu, j'ai vu une silhouette bizarre d'un clown, là. C'était un clown? Je sais pas, je vais mettre oui. Eh, par contre, remettez l'électricité, les gars. S'il vous plaît. Non, c'était pas l'homme cerf, c'était un clown, je crois. Ah, merde. Est-ce parce qu'il fait trop sombre pour que vous puissiez voir clairement? Oui, je n'ai rien vu. Oh non, faut qu'on retrouve le clown. Quelle horreur ce jeu. Maintenant quelqu'un derrière vous. Bon, regardez bien sa bouche s'il vous plaît. Ah, c'était pas un clown, hein. Bah du coup la bouche était ouverte, oui. C'était pas un clown. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah, il fait trop peur, hein. T'as vu sa vieille tête, là? Ok, c'est bon. Se préparer au défi à venir. Oh, moi, je suis prêt, moi. Je suis toujours prêt, moi. Pourquoi la porte, elle s'est entrouverte, là? Les gars, remettez la lumière, s'il vous plaît. Je suis cordial. Je suis sympathique. Remettez la lumière. Ah bah voilà. Ah. Oh non. Ah. Non mais vas-y, c'est un enfer ce jeu. Non mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces jumpscares là? Putain, à chaque fois je me fais avoir. Combien de zombies avez-vous vu? Je sais pas combien il y avait de zombies, les Crozes. 5 ou 6? Il y en avait 5. Non, non, il y en avait plus que deux, les Crozes. Hein. Non, non, on était entourés, j'en ai vu au moins 5. Oh, c'était ça? Oh, c'était ça, il y en avait 5. Et il y a toujours pas d'électricité. Putain, le jeu, il arrive à m'avoir à chaque fois. Hein. C'est là que tu vois que c'est un jeu de génie. Hein. À chaque niveau, j'ai peur. Putain. Ok, bon, il y a toujours pas d'électricité. Je me casse. Oh, putain. Il joue avec nos nerfs. Hein. Il joue avec nos nerfs. Ok. Bon, il y a une petite fille au fond. Combien? Oh, combien il y a de mains? Putain, faut compter les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Merde! Merde! Putain! 11 ou 12, putain, je savais que c'était ça, mais j'ai pas eu le temps de compter. Oh, les Crozes, dites-moi qu'il y en a un dans le chat qui a compté. 11 ou 12. J'ai compté 11. J'ai compté 11, mais je crois que j'en ai loupé une. Je vais dire 12. Je crois que j'en ai loupé une.
Eh merde, c'était 11. Vous aviez raison. Putain, saleté, va. Ok, on compte bien les mains, les crozes. Vous êtes prêts? Maintenant. Je me suis jamais fait autant troller dans un jeu vidéo. Je me sens con, hein. Je me sens ridicule, hein. Le jeu se fout de nous. Non, j'ai jamais vu ça. Toujours 11. Miss Léa, t'as eu le temps de compter, ça va? 42. Oh, bah on va dire 11 pour le coup. Ah putain, il se joue de nous, ce jeu. Génial. C'est du génie. Ah putain, inspiré, expiré. Ah, tu m'emmerdes. Elle est où? Elle est où? Elle était pas là? La fille? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Elle était pas là par contre, la meuf. C'est bon. On est à la moitié du jeu, les crozes, je crois. On doit être à la moitié là. Vous kiffez ou pas? Oh, il fait encore noir, putain. C'était quoi ce bruit? Qui a chié là? Il y a un truc à terre. Attendez, il y a un truc à terre là. C'est quoi? C'est quoi ce machin là? C'est un homme. Qui l'a tué? Gauche ou droite? Oh putain. Ok, il s'est fait tuer. Oh! Ah! Notre ami le cerf, et là c'est qui? Je te vois pas. On dirait une femme. Je sais pas qui a tué ce bonhomme, moi. J'en sais rien, moi, j'ai pas envie d'y aller déjà de base, j'ai même pas envie d'aller vers eux. Je vais me faire tuer. Je vais dire le cerf parce qu'il est un peu plus menaçant. À tous les coups, c'était l'autre. Ouais, là c'est du pif. Ah ouais, c'était sûr. Enquêter sur la scène de crime. On va enquêter. Ok, il y a la meuf qui vient de passer en courant. Bah, je vais dire la meuf du coup. Ouais, exactement, Brabitalis, c'est ça qui est cool dans le jeu. Ok, l'assistance est arrivée. Comment ça, l'assistance? Ah, attendez, il y a une flèche. Attendez, il y a une flèche sur ce tableau. Qui l'a tué? Il y a personne là. Mais attends, il y a plus personne. Maintenant, allez à droite. Quoi? Du génie. Je crie au génie. Je m'incline devant ce dev. J'ai jamais joué à un jeu aussi stylé de toute ma vie. Il est trop fort. Vous êtes aussi bon que Sherlock Holmes. Merci beaucoup, Seigneur. Oula. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans ce couloir? La réponse est non. Il y a une chaise au fond. Ah, c'est une télé. Il y a une télé.
Il y a une femme. Elle est là. Aïe aïe aïe. Quel est le polygone présenté dans la vidéo? J'ai même pas vu de polygone. De quel polygone on parle là? Heptagone ou octogone? Bah un octogone. De quel polygone il parle? Ah je vais lui mettre... je vais lui mettre une note sur Steam. Je vais lui mettre 5 étoiles. Franchement. C'est vraiment très rare que je mette des notes sur Steam, mais là je vais le faire. Hein. Ne vous plaignez pas de la qualité de l'écran. Alors attendez. Il est censé y avoir un polygone dans la télé. Ah oui. Ah oui, ah mais d'accord, ok. En fait, il faut le voir et tracer ensuite. D'accord. Alors du coup là c'était un octogone je crois. Vas-y montre. Attendez, il y a combien de côtés? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 côtés. C'est quoi? C'est un octo hein? Bah, c'est octogone. Je crois. Ah c'est ça. Votre réussite est un nouveau jalon. Oula, il y a des livres à terre les crosses, c'est quoi ça? Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, on analyse hein. Quelle main a-t-il perdu? Quoi? J'ai pas vu. Gauche. Ah non, c'est mieux que Shining là. Oh! Putain, j'ai fait au pif, on a eu bon. Yes! Coucou toi. Coucou toi. Coucou toi. Oh attendez, il faut compter les ronds. A tous les coups, il faut compter les têtes. 1, 2, 3, 4. Je suis sûr que c'est ça. 5. Combien a-t-il d'autocollants? Alors 5, 6, 7, 8. Putain de ta mère! 9! 10! Il y en a 10! Il y en a 10! Il y en a 10! C'est bon. Vous vaincrez les ténèbres, allez! Oula! Attendez, il est super court le couloir là. Quoi? Oh, un trésor? Ah attendez, c'est peut-être un piège. Les crosses, c'est peut-être un piège. Est-ce qu'on l'ouvre ou pas? On dirait genre un checkpoint. Il peut y avoir un jumpscare à l'intérieur. Je sens que le jeu il va encore me troller. Vas-y, on l'ouvre. Ah, il faut une clé. Ah, j'ai pas la clé. Ok. J'ai pas la clé, les crosses. C'est sûrement un piège. Ah, la clé est là. Ouais, mais attends, du coup. Oh merde. Il y a quelqu'un. Ok. Y'a rien. Ah, les bâtards, c'était un piège. C'était un piège! Le coffre au trésor est-il vide? Oui, il est vide! Quoi?
pensais que la réponse était évidente. Quoi? Il était pas vide? C'est quoi cette blague? D'accord. La porte tient même plus. Attendez. Comment ça il était pas vide? Mais il est vide le coffre. Attends. Il est vide les creuses. On va aller revérifier un coup, mais pour moi il est vide. Hein. Totalement vide ce coffre. Hein. Ça devient violent. Un peu. Mais quoi? Je vais rendre les choses plus évidentes. Quoi? Attendez. Attendez, je me suis fait avoir encore? Comment ça il est pas vide? Ah, ou alors c'est le mec qui a volé. Attends. Ben là, il y a un truc. Attends, ça met une flèche? Je comprends rien, cette énigme, les creuses. Il y a une flèche dans le coffre. Mais la flèche montre rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a un petit truc, il y a un truc, quoi? Oh putain, il y a une pièce. Ah oh, les chiens, il y a une pièce dans le coffre à trésor. Oh, je la vois même pas, elle est dans le coin là-bas. Ok, il y a une petite pièce de merde, il y a 3 centimes. Ah, c'est du troll à l'état brut là. Bah non, du coup, il est pas vide. Ok. Il y avait une toute petite pièce de merde, quoi. Allez, Croze, il nous reste 4 niveaux et on a fini le jeu. La victoire est à portée de main. J'ai hâte de voir la fin. Comment le jeu va se finir. Encore un coffre? Encore? Eh, tu mourras pas deux fois, hein. Tu ne mourras pas deux fois. Ah. D'accord. Donc il y a une feuille en papier qui sourit. Vas-y, rigole. Espèce d'enfoiré, va. Combien de fois avez-vous entendu des rires? Putain, il a fait... Il en a fait 4, hein. Moi, je vais dire 5. Et pour moi, il en a fait 4. Le rire, ça fait... Et merde. C'était pas ça. Le dev, il a bossé sur les jeux Trollface ou quoi? Ouais. C'est du troll pur et simple. Oula. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a eu 6. Il a fait oh, 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 oh. On est bon. Attends, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est bon. Vous faites un excellent travail, il est temps de faire une pause. Ah! Les creuses, est-ce qu'on ferait pas une pause? Ça me rappelle le temps où... Putain, ça date, hein. Les premiers lives que je faisais une heure de live, je faisais pause, j'appelais ça la pause pipi. Comme ça, pendant 5 minutes, on parlait entre nous et on reprenait la dernière heure. Bon, ça va, vous tenez le coup, les creuses? Il nous reste 3 levels à faire. 3 levels et on a fini. En vrai, il est très drôle comme jeu. Hein. Il est à la fois drôle et flippant. Ça change, c'est original, j'aime bien. Les creuses, il y a un mec qui danse au fond.
Je vous jure, il y a un mec qui danse au fond. Il nous fait la Macarena, là. C'est qui ? Combien de questions jusqu'à présent ont été posées ? Oh ! Ah, c'était le soldat qui dansait trop fort ! Putain ! Attendez, combien de questions il y a eu ? Mais comment tu peux savoir ça ? Sur le puzzle, sur le cadre, il y avait combien de lignes ? Je sais pas. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21. Non, ça fait 6 du coup. 6, 12, 18. 19, 20, 21. Je dirais 21. Ah, c'était le soldat qui était en train de danser. J'y m'attendais pas. Oh, on a eu bon. Yes! La persévérance porte ses fruits. Plus que 2. Ce tour est très simple, il suffit d'aller à droite et vous pouvez passer. Ouais, le jeu me troll depuis le début, donc là en fait je lui fais pas du tout confiance les choses. Là il me dit d'aller à droite, j'ai pas du tout envie d'aller à droite. Je sens que c'est encore du troll, putain, je vais me faire troller. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou pas? Bon, je vais y aller, mais... Sa droite ou la tienne? Ouais, bonne question. Je vais y aller, mais c'est sûr que c'est pas ça. Ah bah d'accord. Ok. Vous êtes trop naïf et crédule. Oui. Oui, oui. J'assume ma naïveté. Bon, eh ben tu m'auras pas deux fois. Cette fois, c'est vrai, il suffit d'aller à droite et vous passerez. Non, mais c'est bon, là. Il nous troll, les crocs, j'en ai marre. Cette fois, c'est vrai. On va pas lui refaire confiance une deuxième fois, je vous le dis, hein. Non, non, moi, je vais à gauche. Eh, c'est bon, Espèce d'enfoiré, va. Ah, regarde. Oh merde. Oh non. Oh non. Ah le bâtard, mais il est trop fort. Mais il est plus fort que moi. Vous êtes trop sûr de vous, vous devriez écouter les messages. Enfoiré, va. Enfoiré. Ah putain, qu'est-ce qu'il est fort. Cette fois, c'est vrai, il suffit d'aller à droite. Ok. Bon, logiquement, là, c'est bon. Ouais, ok. On y est, les crocs. Dernier niveau de ce jeu. La fin approche et vous le méritez. Attention, je m'attends à tout pour le dernier. Ils vont nous faire une dinguerie. Lequel est votre meilleur ami? Oh! Un chien. Oh! Ah non, là non. Là, les crocs, je vais être très clair. Y a pas de débat, y a pas de blabla. C'est les chats. Ah oui. Mais ce sera toujours pour l'éternité jusqu'à la fin de ma vie. Si je dois choisir entre un chien ou un chat, je prends le chat 1000 fois. Le chat, direct. Mais direct, je réfléchis même pas. Le chat. Et j'espère que j'ai raison. Team chat. Yes! Team chat! Yes! C'est presque fini, tu commences déjà à me manquer. Ah bah pas moi. Ah c'était ça la peinture alors. Ok. Une peinture grecque. C'est la fin. Ouais, je pouvais interagir avec le chien, c'est vrai. Bon alors tu vas te calmer toi ?
Vous avez oublié qu'il s'agit d'un jeu d'horreur, n'est-ce pas? Non, j'ai pas oublié, parce que ce jeu m'a bien fait peur, mine de rien. J'ai bien flippé. Donc, non, non. Non, non. Non, non, j'ai eu peur. Félicitations, c'est le dernier niveau. Prenez votre décision finale. Ok. Aimez-vous ce jeu? Oui ou oui? Oh là là, mais jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout, il me fera rire. Hein. Oui ou oui? Bah franchement, les crows. Même s'il y aurait eu un non, j'aurais répondu oui. Ce jeu est incroyable. C'est le jeu de l'année jusqu'à maintenant, je vous jure. C'est le meilleur jeu. Oula, c'est quoi ça? On a fini. Ah, il y avait une autre fin. Et un chat, ok. Il faut qu'il refasse des jeux lui hein. Je sais pas s'il verra mon live, je sais même pas s'il est français, mais il faut qu'il refasse des jeux. Il est trop fort.